Dieu nous accueille. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Lambert de Vence, né Lambert Péloquin, également appelé Saint Lambert de Baudouin ou Saint Lambert de Riez, est un évêque français né à Baudouin, qui est au bord du lac de Sainte-Croix. Il est né en 1084 et il est mort un 26 mai, aujourd'hui, 1154 à Vence. Il naît à Baudouin, près de Riez, dans une famille de petite noblesse de Provence. Sa mère meurt en couche et son père, exerçant les métiers des armes, ne peut s'occuper de cet enfant. Lambert de Baudouin est donc confié aux moines du monastère Saint-Honorat de Lérins. Il avait 16 ans. Il devient moine à son tour. Dit sérieux et volontaire, il est nommé évêque de Vence en 1114. Il n'avait pas spécialement envie d'être évêque au départ, mais il a suivi ce qu'on lui a demandé. Il restaure la cathédrale de la cité épiscopale, puisque la cathédrale de Vence était la cathédrale de la nativité de Marie de Vence. Il réforme le chapitre cathédral et impose la vie en commun et la règle de Saint-Augustin aux chanoines. On lui prête une grande humanité. Il aurait soutenu des serfs contre les féodaux pour les libérer. Lambert préconise aussi, du haut de la chaire, l'installation de moulins à eau. Et pour libérer les chevaux, vous voyez, il s'occupait aussi des chevaux, il recommande le collier d'épaule à la place du collier de cou. Avant ce cou sur les chevaux, le collier d'épaule était beaucoup plus facile pour les chevaux. On lui prête une grande humanité, ça je vous l'ai dit. Il intervient à de nombreuses reprises comme pacificateur dans les conflits entre les seigneurs et les évêques de la région de Nice. Il faut savoir que, à cette époque-là, il n'y avait pas de chapelle. Et en dessous, il y avait une magnifique source, et il aimait venir à cette source. Et régulièrement, quand les gens avaient des besoins ou des petites affections, eh bien, il venait le rencontrer à cet endroit-là. Il fonde à Vence le premier hôpital de la cité destiné aux soins des pauvres. Je pense qu'il n'était pas celui qui existe aujourd'hui, mais en tout cas, c'était peut-être à cet endroit. Sa tombe dans la cathédrale porte l'inscription suivante. Qu'il soit dit à celui qui ne le sait pas que l'évêque qui repose ici s'appelait Lambert. Il a apporté de nombreux bienfaits pendant chacune des 40 années où il gouverna ce siège épiscopal. Il ne s'est jamais laissé élever par les choses flatteuses, ni courbé par les choses pénibles, que la source de la piété lui enlève tous ses péchés, et que luise pour lui la lumière du perpétuel repos. Alors j'avais juste quelques phrases à annoncer. Baudouin, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est au bord du lac de Sainte-Croix, c'est un village, c'est là où il est né. Eh bien, c'est tout simplement le Baudouin. Donc, on voit là un retour vers notre cité vençoise, avec nos magnifiques Baudouins qui nous entourent. Eh bien, il y avait déjà quelque chose qui pouvait se faire. Il n'y a pas de hasard, c'est ce que l'on dit souvent. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris pour certains quelque chose. Je vais laisser la place maintenant à notre vicaire, le Père Sam. Merci, mon Père. Je pense, je suis sûr que nous avons cherché les informations au sujet de Saint-Lambert.
dans les mêmes sources, voilà, parce que j'ai préparé la même chose que vous. Et je vais ajouter seulement une chose, voilà. Debaou, à partir du 1er septembre, notre doyenné, ça s'appelle doyenné. Alléluia, 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 alléluia. En cette fête de Saint-Lambert, Seigneur, nous t'en prions, regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, et nous procurons ton pardon, qu'elle serve à la gloire de ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vence est un village avec entouré de verdure et une ville magnifique. Voilà. Donc je voulais remercier tout le monde. Les fleurs de Monsieur Juge, comme chaque année, on le remercie. Parce que sans lui, il n'y aurait pas de fleurs. Remercier la municipalité de Vence. On peut applaudir aussi. Remercier les employés municipaux qui, comme chaque année, font un effort d'amener tout cela en place et de préparer et de nous ouvrir tous ces barèmes, c'est pas facile non plus. Et je voudrais surtout qu'on applaudisse notre vicaire, c'est sa première messe en extérieur, c'est la première messe, c'est la Saint-Lambert, il est là, bien sûr, pas la cathédrale, mais c'est la première fois qu'il est en extérieur à Saint-Lambert, et puis il continuera, j'imagine, la plupart des messes que nous allons avoir jusqu'au mois d'octobre. Donc un grand merci au Père Stanislas pour sa présence et cette belle messe. Merci mon père. Vous savez que pour moi, il ne faut pas dire merci parce que c'est mon travail, voilà. Mais dire merci, ça n'écoute rien, ça n'écoute rien, voilà. Et même si vous avez dit merci, moi je vais dire merci encore une fois.